Artézane est en direct ce soir et nous allons apprendre à dessiner. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Alban et bonsoir Caroline. Bonsoir. Eh ben, on est hyper, hyper contente de vous retrouver. Ça fait presque un mois qu'on n'avait pas fait de masterclass parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire et qu'il fallait le temps qu'on s'organise pour reprendre un rythme, pas normal parce qu'il n'y a jamais de rythme normal, mais un rythme à peu près vivable après la sortie du confinement. Et on a eu le temps justement de tourner des nouveaux cours, dont un cours avec Caroline. Caroline Perron, tu es illustratrice. Tu as été formée. Tu m'interromps si je me trompe, etc. Mais je tenais un peu justement à te présenter. Mais tu parleras de toi beaucoup mieux que moi. Mais tu as été formée aux arts déco. C'est ça. Ton médium de prédilection. Vas-y, vas-y. Non, en section images imprimées. Donc, section images imprimées. Est-ce que c'est pas la même section que Marie-Gabrielle? Bah, oui, si, je crois, elle m'avait que, dit. Oui, ouais. J'ai l'impression que c'est une chouette section. Pour moi, c'est très nébuleux, mais j'ai l'impression que c'est une chouette section. Et donc, est-ce que tu as un médium de prédilection où tu touches plusieurs médias? J'aime bien toucher à tout, mais après, je suis plus familière avec le crayon de couleur et le crayon à papier en général. Mais après, j'adore, par exemple, on a un atelier de sérigraphie, de gravure, et j'adore réfléchir en couleur. Donc, Et tu as réfléchi en couleur. En couleur, il n'y a pas très longtemps, puisque tu as tourné, je crois, il y a 2 semaines, et ton cours est sorti la semaine dernière, jeudi dernier, et il s'intitule donc, j'espère ne pas me tromper, tu me dis, mais j'apprends à dessiner des personnages dans un espace au crayon de couleur, j'ai rien oublié. Non, c'est parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'objectif de ce cours et pourquoi on a intitulé les choses comme ça? L'objectif de ce cours, c'était de pas forcément être de pas avoir des techniques, enfin de pas faire apprendre des techniques trop compliquées de perspective ou de morphologie. L'idée, en fait, c'est que les personnes qui vont suivre ce cours vont s'amuser en dessinant ce qu'il y a autour d'elles. Et donc, dessiner des personnages quand on est dans un parc ou sur la plage, vu que là, par exemple, on approche de l'été, ou bien dessiner un paysage comme ça sur un carnet, c'était un peu l'idée du cours. Et puis, essayer aussi de faire comprendre le principe de la lumière et des contrastes pour que ça vienne un peu relever le dessin et que ce soit pas juste des lignes, enfin un dessin plat en fait. J'avais envie d'apprendre aux gens, créer un peu de ouais, c'est ça. Le relief. Le relief, les aspérités d'une scène. Et c'est vrai que ça, moi j'ai assisté à une partie du tournage et c'est vrai que ça se perçoit beaucoup dans tes dessins. Alors juste pour te donner un peu le programme et surtout le donner aux personnes qui sont là. L'idée c'est que la masterclass va être organisée de la façon suivante. Déjà on va quand même vous montrer la bande-annonce du cours de Caroline et puis juste après. On s'est dit que ce qui était intéressant pour que vous vous entraîniez en direct pendant cette masterclass, c'était de comprendre un peu les principes pour dessiner des silhouettes. Donc, je pense que tu vas faire une démonstration que vous, derrière votre écran, vous pourrez suivre. Et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos dessins au fur et à mesure sur contact@artezane.com et on les diffusera au fur et à mesure. Caroline pourra les commenter et nous dire si vous avez chopé le truc. et puis, on verra un extrait de ton cours, justement.
un extrait de 6-7 minutes de mémoire. Et voilà, donc vous commencez, vous, derrière. Pour celles qui ne nous connaissent pas, bah, vous avez, ou celles et ceux, bah, vous allez peut-être nous découvrir. Les autres, vous savez le fonctionnement. Donc, vous pouvez nous mettre toutes vos questions, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Moi, je les regarde. C'est pour ça que parfois, mon regard fuit un peu à droite, à gauche, parce que je regarde 15 onglets en même temps. Je les regarde. Armel me les transmet. On la voit pas, mais elle est derrière. Elle est en train de suivre. Et puis, au fur et à mesure, on fera des petites pauses dans nos échanges avec Caroline pour vous répondre. On me dit et on vous dit bonsoir d'un peu partout et on dit surtout bonsoir à Alban. Et Alban s'est caché jusqu'à maintenant. Oui, oui, j'étais caché depuis là, hein, pas de souci. Voilà, depuis l'anneau de 06 610, bien sûr. Voilà, et ben bonsoir Alban. Bonsoir à tout le monde. Donc très vite, bonsoir Magali, bonsoir Evelyne, bonsoir Daniel, Marielle. Voilà, je vois passer des noms. Bonsoir Françoise et bonsoir Isabelle, Katia. On est très contents de tous vous retrouver et je vous propose qu'on découvre tout de suite la bande-annonce du cours de Caroline. Bonjour, je suis Caroline Perron, votre professeure de dessin sur artesane.com. Je vous retrouve pour un nouveau cours intitulé « Je dessine des personnages dans un espace au crayon de couleur ». On verra d'abord ensemble comment créer un espace. Je vous montrerai comment manier les couleurs, la lumière et créer une atmosphère. Dans un second temps, je vous apprendrai à dessiner des personnages et des postures. On partira de quelques modèles vivants et je les dessinerai avec vous. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour créer une image complète au crayon de couleur. Je suis Caroline Perron et je vous donne rendez-vous sur artesane.com pour apprendre à manier les crayons de couleur. Bon, alors j'espère que vous avez votre boîte de crayons de couleur à disposition. J'anticipe une première question, Caroline, mais est-ce qu'il faut forcément avoir des crayons de couleur pour suivre ton cours ? Bah, dans l'idéal, oui, parce que j'aborde la technique de la bichromie. Donc, c'est mieux pour faire ressortir la lumière. Après, vous pouvez aussi vous en tenir à une couleur ou un crayon gris. Mais du coup, vous aurez peut-être moins de rendu lumineux. Mais on peut aussi très bien faire comprendre la lumière avec un crayon. Voilà. Donc, plutôt crayon. Et sinon, il faut du papier. Est-ce qu'il faut du papier particulier? Moi, j'ai un papier Canson 90 grammes, format A3. Donc, c'est un papier qui est plutôt... voilà, c'est un bloc. Je vous montre le bloc. Voilà, donc je le trouve très bien pour faire du croquis. Il est très, très lisse. Et donc voilà, après vous pouvez travailler. Enfin, c'est mieux quand même sur des papiers assez lisses, pas granuleux comme par exemple les papiers qui sont pour l'aquarelle ou ce genre de choses. Bon, eh ben, je vous propose qu'on démarre. Alors l'idée, c'est que vous suivez avec Caroline, qui va peut-être commencer donc juste après sa démonstration, si ça te va dans ce sens-là, Caroline. Je perturbe pas les plans, c'est non. Eh ben, parfait. Et donc n'hésitez pas, vous mettez toutes vos questions, je les répercute à Caroline, et puis de toute façon, au fur et à mesure, non seulement je lui transmettrai, mais en plus j'interrogerai Caroline sur un peu son parcours parce que je trouve ça, ou en tout cas sa sensibilité artistique, parce que je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre plus sur les gens qui animent les cours artisanes, et que certains sont des professeurs de formation, d'autres au contraire sont des illustratrices ou illustrateurs et font exceptionnellement des cours, ce qui est plutôt le cas de Caroline là, et donc c'est deux approches très différentes. Et on tient vraiment justement à ce que vous soyez confrontés à des pattes artistiques différentes. C'est le cas de Caroline et c'est pour ça que Caroline, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer ce cours et cette masterclass ce soir. Donc, c'est parti, c'est à toi. Ok. Bah, merci beaucoup déjà. Merci de m'accueillir. Je suis très contente
de participer à cette masterclass. Et donc, dans la deuxième partie de mon cours, on aborde la question du dessin de personnage. Et donc, j'avais envie, pour cette masterclass, d'approfondir un peu, d'approfondir davantage comment je dessine des personnages. Et pour ça, en fait, je vous ai préparé des photos. En fait, c'est des photos que je prends en général de mes amis. En plus de dessiner sur le vif, j'aime bien avoir toute une banque d'images de corps, de positions, de postures. C'est pas forcément toujours mes amis. Hein. Là, c'est des touristes que j'ai pris sur un bateau alors que j'étais en Corse. Mais j'aimais bien leur attitude. Et en fait, donc, j'aimerais qu'on dessine ensemble ces personnages pour que je vous explique un peu par quoi je commence, par quoi je termine. Enfin, voilà, qu'on fasse ça ensemble en étapes et pour que vous ayez un peu plus de clés pour vous-même après dessiner à partir de vos photos ou bien carrément sur le vif. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par cette première photo de cette très jolie jeune fille sur sa bouée. Voilà. Donc, c'est une amie à moi. Petite dédicace pour elle, elle se reconnaîtra. Donc, je vais commencer par dessiner au crayon à papier. Mais vous pouvez très bien commencer avec un crayon de couleur. Moi, je le fais parce que après, je viendrai repasser au crayon de couleur, donc c'est pas gênant. Ce que j'expliquais dans mon cours, c'est la technique de la bichromie. C'est en gros, on va rendre compte de la lumière avec deux couleurs. Donc, dans mon cours, j'avais choisi une couleur sombre, plutôt un bleu, qui va plutôt symboliser les ombres. Ça va, voilà, on va plutôt appliquer ce bleu dans les ombres. Et ensuite, j'avais choisi un jaune orangé. Donc là, là j'ai un orange aujourd'hui, un peu plus orange. Et donc voilà, le orange, ça va plutôt être la lumière et le bleu, ça va plutôt être les ombres. Donc vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Hein. C'est ce que j'expliquais. Vous pouvez très bien choisir un vert, par exemple, un vert foncé avec un rose clair. Enfin, l'idée, c'est d'avoir toujours une couleur sombre avec une couleur plutôt chaude et claire. Donc une couleur sombre et froide et une couleur chaude et claire. Je peux vous proposer, par exemple... Là j'ai un jaune avec un bleu turquoise. Enfin voilà, donc on peut aussi faire rouge. Là, je trouve plus mon rouge. Voilà, j'ai trouvé un rose fuchsia. Bon, il est minuscule mon rose fuchsia. Ah non, il est là mon rouge. Voilà. Donc un rouge. Je le mets là avec son bleu. Voilà. Bon, là, je vous ai fait des petites associations. Je ne sais pas si on voit très, très bien. Donc, faites vraiment comme vous le sentez, comme vous avez envie. Donc, moi, je vais choisir ce orange et ce bleu. Je mets les autres de côté. Et comme je vous ai dit, du coup, je vais commencer par le crayon, le critérium. Donc c'est parti pour cette superbe photo de... Alors, voilà. Donc, en fait, je vais commencer par cette image. Je la trouvais intéressante parce que on n'a pas vraiment tous les détails du visage. Et donc, du coup, c'est bien de commencer d'abord par des lignes du corps. Moi, mon astuce, en fait, pour dessiner les personnages, c'est que je commence toujours par dessiner les yeux. En fait, les yeux vont venir placer... Les yeux vont venir aider à placer ensuite le nez et donc du coup les restes de toutes les parties du corps. En fait, c'est toujours bien de commencer par le visage parce que comme ça après on s'adapte par rapport aux membres. Tandis que si on commence par les membres et qu'on termine par le visage, on peut parfois se faire surprendre par la taille
de la tête qui peut d'un coup être très grosse ou trop petite. Donc voilà, je commence par les yeux. Voilà, je zoome un petit peu pour pas que l'image soit trop petite. C'est bien d'avoir des détails. Donc je commence par la paupière. Ah oui. En fait, en même temps, je ne vois pas l'image. Est-ce que je pourrais avoir la photo Ah oui, d'accord. Ok, on va faire des allers-retours entre ce qu'on voit et ce qu'on dessine. Ah, ça va te demander effectivement une petite gymnastique. Ou si tu veux, tu peux prendre le temps de... Tu vois que je te la renvoie par texto pour que tu l'aies sur ton téléphone à côté. Ah non, sinon je peux la mettre dans un onglet à côté. Je vais le faire. Le plus pratique pour toi. Ouais, alors, excusez-moi pour ce petit contretemps. Pendant ce temps, si tu arrives à parler en même temps, je peux te transmettre quelques questions. Ouais. Notamment sur le fait, est-ce que tu choisis des couleurs complémentaires quand tu choisis tes couleurs en bichromie? Bah, c'est toujours mieux, en fait, les couleurs complémentaires. Après, on peut très bien aussi choisir de prendre deux bleus différents, un bleu, par exemple, un bleu foncé, plutôt, voilà, un bleu très foncé et un bleu très clair. Ça marche tout aussi bien. D'accord. Alors, voilà. J'y arrive. Alban, est-ce que tu as réglé ton souci de micro? Parce que on était toutes très inquiètes pour ton micro. Voilà, j'y suis. Oui, oui, bien sûr, Anne-Sara. Mais je suis très concentrée sur la réalisation de cette masterclass, bien sûr. Bien entendu. Alors. Voilà, donc c'est bon, moi j'ai mon image. J'espère que vous l'avez aussi en face de vous. Donc je disais, je commence par la paupière, enfin les cils. Et puis ensuite, je vais dessiner la paupière. Pour l'instant, je vais faire que des traits. Et je vais un peu essayer de repérer les formes fortes. Par exemple, entre les cils et la paupière, ça crée un espèce de V. Et donc, l'idée, c'est de plus penser qu'on est en train de dessiner un œil, mais d'arriver à se représenter simplement les formes qu'il y a en face de nous. Et une fois qu'on a fait les cils et la paupière, en fait, je vais dessiner les sourcils. Et comment tu as... On nous dit qu'un œil, c'est petit. Comment tu t'es repéré pour le positionner au milieu de la... Enfin, dans la feuille? Ah oui, très bonne question. C'est vrai que moi, je le fais assez... En fait, en général, l'œil, là, en l'occurrence, dans cette image, l'œil est quand même très à droite. Donc, je me suis un peu placée à droite dans mon papier, plutôt à droite. Mais là, c'est vrai que je me rends compte que, par exemple, ma photo, je vais peut-être pas avoir tous les éléments de la photo dans mon dessin. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'était surtout son visage, sa tête et son dos. Mais après, vous pouvez... Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Après, vous pouvez dessiner plus petit, mais moi, j'aime bien être... j'aime bien que ce soit... que mes gestes soient à la... Comment dire à l'échelle de mes mouvements. Donc, j'aime pas quand c'est trop petit, sinon après, c'est moins facile. Donc, je dirais, là, pour vous donner précisément, mon cil, il fait 1 cm. D'accord. Voilà. Donc, je vais ensuite dessiner les sourcils.
Et en fait, les sourcils vont m'aider à placer la courbe du nez. Et en fait, il faut se baser par rapport à l'ombre qu'il y a entre l'œil et le nez. Elle a une espèce de forme comme ça, arrondie. Donc, je vais passer comme ça au crayon. Et ensuite, là, je vais dessiner l'autre petit bout de sourcil et faire un creux comme ça. D'accord. Et en fait, à chaque fois, il faut un peu faire chaque forme découle des formes qu'on a fait avant. Donc, par exemple, là, je vais surtout pas me mettre à faire les cheveux parce qu'ils sont beaucoup trop éloignés de cette partie du visage. Donc, il faut toujours D'accord. continuer. Donc là, normalement, je devrais soit faire. Donc là, moi, je vais faire l'épaule parce qu'elle est proche du nez. Et je peux aussi faire le front. Voilà. Ensuite, en général, quand j'arrive à ce stade, je vais venir faire les cheveux parce qu'en fait, les cheveux vont m'aider à placer l'oreille. Donc, il faut à peu près imaginer l'espace qu'il y a entre le bout du sourcil et le début de la petite mèche qui tombe. Donc, je vais dessiner d'abord cette petite mèche. Alors, sachez aussi que l'oreille, elle est toujours. Le haut de l'oreille est toujours en bas de l'œil parce que, enfin, voilà, pensez quand vous portez vos lunettes de soleil, par exemple. La branche se pose sur votre oreille, donc l'oreille n'est jamais plus haut que les yeux. Donc, si vous faites ça, c'est que c'est déjà ça peut mal le ça peut pas le faire. D'accord. Je pense que je fais systématiquement cette erreur. Ouais, mais c'est bête, hein, mais une fois qu'on le sait, après, on fait un petit peu plus attention. Et donc, du coup, bon, voilà, je vais faire mon oreille. Elle a deux petites boucles d'oreilles. Alors, en général, les oreilles, je me casse pas la tête, je vais pas trop dans les détails et tout ça, mais je fais surtout ici, là, le cartilage, puis voilà, comme ça. Et donc là, on va voir, donc là, je suis le chemin de ce que je vois, donc là, je vais faire des cheveux. Il y a des cheveux comme ça qui viennent se placer un peu comme ça, dans une espèce de forme. Faut vraiment que vous voyez les éléments forme par forme. Je sais pas si c'est très clair, mais là Ouais, si, si, si. voilà, Je c'est un comprends bien. espèce de. Faut pas se dire mèche par mèche, mais plus grosse masse par masse. Donc voilà, D'accord. là ça remonte un petit peu. Et puis donc là, pour pas me tromper. Pour pas partir comme ça et me rendre compte que mon crâne va être trop petit, je vais reprendre mon crâne à partir de là. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Je vais reprendre les cheveux à partir de là, comme ça je vais être sûre que en allant petit à petit, en faisant des allers-retours entre ici et ici, je vais arriver à une forme plutôt correcte. Donc là, en fait, le crâne Ouais, est là, mais. ce Ouais. Non, mais c'est assez fascinant parce qu'on voit que tu n'as pas dessiné grand-chose et que pourtant, on reconnaît déjà, enfin, qui a une allure qui est celle de la photo sans qu'on sache très bien dire pourquoi. Eh bien, bah merci. Mais on va essayer de faire aussi bien. Mais vous, si vous êtes derrière votre écran, dites-nous si tout se passe bien et surtout commencez à envoyer vos premiers essais à surcontact@artesan.com. Ouais, alors ça peut paraître un peu laborieux parce que je dis vraiment chaque détail, etc. Mais en fait, il faut pas dans le dessin, il faut toujours un petit peu anticiper à l'avance, quelle ligne on est susceptible de croiser. Donc là, je vais faire cette ligne. Donc voilà, donc là, c'est ses cheveux. Et alors, en fait, c'est pas une ligne plate.
elle est légèrement arrondie, mais elle n'est pas vraiment arrondie comme ça, quoi. Comme on pourrait se l'imaginer. Un crâne, en fait, c'est un petit peu plat. Enfin, c'est pas si bombé qu'on pense. Donc, voilà. Et puis là, voilà, comme ça, je suis sûre, je retrouve ma zone où je vais pouvoir dessiner mon petit chignon. Ch'touc, ici. Vous voyez, il ressemble à un petit cœur. Voilà. Donc, j'espère que ça va pas trop vite, que ça va, vous Non, arrivez à... au contraire, c'est très clair et on comprend bien ce que, oui, ce que tu fais. Enfin, on comprend le processus et c'est vrai que c'est pas mal de prendre du temps pour expliquer ça parce que, c'est pas du tout quelque chose d'inné pour des gens qui sont plus novices ou d'ailleurs pas forcément novices mais qui dessinent pas du tout de personnages. Donc non, c'est au contraire, tu peux y aller. Ok, chouette. Donc maintenant la suite de notre personnage. Donc là, vu maintenant que j'ai sa tête, je vais regarder quelles sont les lignes qui partent de sa tête. Alors, je vais avoir là, vous savez, on avait commencé par faire cette épaule, mais je suis volontairement pas allée plus loin parce qu'en fait ici on a le pli du cou. Donc je vais tout de suite faire le pli du cou, les deux plis là. Et comme ça, je les ai et je sais que que là, je vais avoir une ligne qui va passer là, mais elle ne va pas aller plus haut ni plus bas. Elle va vraiment s'arrêter là. Donc, pour l'instant, je ne la fais pas. On va le faire, on va la faire après parce que c'est l'étape maillot de bain. J'aimerais bien faire l'épaule d'ici. Donc, ici, on a un petit creux et là, ça remonte un peu. Là, on a deux plis comme ça. Et ici, donc, on avait les cheveux qui étaient bombés. Et à partir de là, démarre le bras. Donc, je vais venir. Voilà, essayer de. Voilà. Maintenant, je vais faire. Le croisement du maillot de bain va nous aussi nous aider à bien placer les éléments du dos. Donc, on va suivre les lignes du maillot de bain. Donc, à partir de là, et ici, celle-là. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais là, déjà, moi, je me rends compte que dans mon dessin, il y a une petite erreur. En fait, son épaule que j'ai dessinée là est un peu trop serrée. Parce que quand on regarde sur la photo, on a vraiment un plus grand espace de ce côté-là. Entre les plis, enfin quand on regarde les plis et la ligne de son bras, ils sont pas si proches en fait. Donc là, je sens déjà que je me suis un petit peu trop serrée. Il faut vraiment essayer d'imaginer les espaces qu'il y a entre les éléments. Et dès qu'on sent que une oreille, par exemple, est trop proche d'un sourcil, c'est pas bon signe. Donc là, bon, j'aime pas trop gommer, mais bon, en même temps, je vais vous montrer que je peux me tromper aussi. Donc, je vais plutôt reprendre mon pli là et je vais redessiner l'épaule. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous, c'était cette erreur, mais en tout cas, voilà. Ici, on a le pli de la colonne vertébrale. Je vais le faire.
Et puis voilà, je vais faire son coude. Alors, comment vous donner des proportions? Bah, disons que son coude va. Enfin, et en fait, il faut regarder la photo, faut regarder la distance qu'il y a entre le nez et le pli du coude. C'est à peu près la distance qu'il y a entre le nez et le pli de son cou. Donc voilà, faudra pas aller trop loin, mais faudra pas que ce soit trop court non plus. Et voilà, et alors ensuite, on a un petit pli comme ça. C'est jamais facile les coudes, hein. Je vous ai pas pris ce qu'il y a de plus simple. Ce qui peut nous aider aussi, c'est le matelas pneumatique qui fait une espèce de... C'est tout bombé comme ça. En fait, au lieu de suivre les lignes du corps, parfois, c'est plutôt intéressant de suivre les lignes des objets qui vont soutenir... les corps, donc en fait, comme ça, on est sûr que le corps est vraiment posé dans le matelas. Donc, le fait de vraiment se concentrer sur les lignes du matelas, ça va vous faire oublier que vous dessinez un corps et donc vous ferez moins d'erreurs. Parce que plus on pense au fait qu'on est en train de dessiner un corps, plus on fait d'erreurs. Enfin, c'est... Faut pas trop... Voilà. Et donc là, en fait, en dessinant le matelas, je me suis rendu compte que mon coude est allé un peu trop loin. Donc, bah, je reprends ma gomme. Désolée, c'est du... Non, on est plutôt impressionné. Voilà. Il est un peu, franchement, mon coude est très pointu. J'aimerais pas me le prendre dans le ventre. Bon, voilà, hein, parfois c'est des formes, il faut revenir dessus. C'est pas. Oui, on voit que tu n'as absolument pas peur de faire des erreurs, de revenir, d'effacer. Enfin, tu n'es pas tétanisé par l'idée que tu puisses te tromper et c'est normal dans le processus du dessin. Ouais, complètement. Franchement, je me trompe beaucoup. Après, je pense que aussi là, je vous montre vraiment lentement et je prends vraiment le temps. Mais je trouve que c'est aussi bien parfois de pas trop être fixé, enfin d'être trop lent, etc. Je pense que ce dessin, j'aurais tendance à le faire plus rapidement et ça permet aussi d'avoir parfois un peu plus d'énergie et de parfois sans se rendre compte de trouver très vite les lignes justes. Enfin, mais d'accord. Ça, c'est aussi en pratiquant. Là, c'est normal qu'on prenne aussi le temps. Donc, voilà. Et puis, bah, du coup, je vais finir mon matelas. Alors, moi, je sais pas vous, mais j'ai pas du tout la place pour... j'ai pas du tout la place pour ces fesses et tout ça. Dommage, mais c'est pas grave. Je vais finir quand même mon petit matelas. Donc... là, la ligne, elle démarre à peu près au milieu de l'épaule. Donc, je vais faire une ligne comme ça. Il faut aussi suivre par rapport à celle-là. Voilà. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour dessiner des matelas pneumatiques, mais bon, quoique c'est bientôt l'été, hein, j'espère que vous allez vous entraîner. Voilà. Et... Qu'est-ce que tu as dit, Alban? On non, t'a pas entendu. Fesses, mais bref, continuons. Je vais quand même là, donc.
Je vais juste terminer de mon côté le maillot de bain. Donc le maillot de bain, donc enfin le buste est quand même arrondi. Donc le maillot de bain, oubliez la ligne droite comme ça là. Fioup. C'est D'accord. pas possible. Il va falloir un petit peu aller dans la courbe du dos. Il faut vous imaginer vraiment le tissu qui enrobe la forme du corps. Donc voilà, je vais essayer de l'imaginer. Voilà. Alors il a plein de plis. Donc je lui fais tous ces petits plis. Pendant Et ce puis là, temps, il y a... Caroline, tu le sais pas, mais moi, je commence à voir arriver toutes les très jolies esquisses et C'est les vrai. gens derrière l'écran s'en sortent pas si mal. C'est quand Ah, même je des suis bonnes super professeurs. contente. Ah On bah, va les tant mieux. voir ensuite ensemble, mais tu vas voir, c'est incroyable. Ah, super. Bah, j'ai hâte. Et puis, bah, je pense que là, on va pouvoir passer à la lumière. Moi, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ça au crayon à papier. C'est parce que j'étais sûre, en fait, je vais vous le dire honnêtement, j'étais sûre que j'allais me foirer sur le coude. Non, j'étais sûre que j'allais me rater à un moment. Donc, je me suis dit, on va faire ça au crayon papier, comme ça, pour le cours, ce sera bien. Mais je vais reprendre mes petits crayons de couleur. Donc, je reprends mon bleu parce que je vais faire les ombres. Donc, ce que j'expliquais dans mon cours, le cours dessiner des personnages dans un espace au crayon de couleur, c'est que donc on a une direction de la lumière. En l'occurrence, ici, elle est très... bon, voilà, c'est un soleil qui est presque au zénith. Donc, on a très peu d'ombre, ou alors c'est des ombres très sombres, enfin très noires. Si je représente la direction de la lumière sur mon dessin, donc elle est là. Hop, une petite flèche. Je fais ça juste pour vous aider, voilà. Voilà, enfin, la petite flèche, c'est juste pour jamais oublier, pour pas faire de bêtises, comme par exemple mettre une ombre sur l'épaule. Enfin, je veux dire, bon, en l'occurrence, on a un tout petit peu, mais bon, voilà, mettre une ombre là où vraiment il n'y a pas lieu qu'il y en ait. Et donc, bah, là, on va commencer à hachurer un petit peu. Ce que j'expliquais dans le cours, c'est que vous pouvez vraiment colorier ou hachurer ou remplir, enfin, vraiment de la manière que vous aimez. Moi, je le fais comme ça. Donc, bah, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, je vais commencer doucement par le nez, par cette grande ombre dans le nez, entre l'œil et le nez, et sous l'œil aussi. Ensuite, je vais faire le sourcil. Et ensuite... Donc je vois, dès que je vois où il y a des zones d'ombre, donc là par exemple sous le bras, je vais venir mettre des hachures qui vont un peu suivre les lignes du corps, un peu comme le maillot de bain, quoi. Donc par exemple, on va pas. Je sais pas moi, on va pas. Par exemple, là, le bras, voilà, c'est vraiment arrondi comme ça. Donc, on va pas colorier, hachurer comme ça. Enfin, pfiou, comme ça. On va plutôt essayer de suivre la courbe. Bon, là, on est très vite. Enfin, c'est vrai que les zones d'ombre fortes ne sont pas très présentes. Donc on est très vite heurté à ce petit souci. Mais ce n'est pas un souci. Il faut s'imaginer ensuite les ombres. Il faut arriver à les voir. Donc bah, moi je l'en vois dans la joue quand même. Elle n'est pas noire la joue, mais quand même elle est assez. Elle est moins exposée que le front, par exemple. Donc Oui, je mais vais c'est vrai venir que du coup, ajouter. on sent que le soleil est au zénith. Enfin, on a tout de suite Ouais. cette impression-là. Mais c'est marrant. Ouais,
Là, derrière l'oreille, il y a une ombre, on va la faire. Elle va bien montrer que le soleil il vient d'en haut. Et puis là, dans les cheveux, bah, voilà, c'est assez sombre quand même. Donc, pour les cheveux, dans le chignon aussi, on a cette, on a un côté très éclairé et un peu plus à l'ombre. Et en fait, voilà, faut suivre la forme des choses. Donc, les cheveux, je les colorie, je le remplis dans le sens dans lequel ils vont. Et puis progressivement, apporter un peu de relief un peu partout. Et puis, donc là, on avait mis dans la joue un peu d'ombre, mais en fait, dans le front aussi, c'est quand même plus sombre que cette partie-là du front. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Quelqu'un a un nom? Je cherche dans mes souvenirs d'anatomie, mais je ne sais rien. Le bombé, le... le bombé, voilà. Il y a les tempes. Il y a les tempes et puis il y a au-dessus de la tempe, voilà. Ouais. Voilà. S'il y a un médecin, on fait appel à vous. Et donc, c'est là que la personne qui a posé la question de une couleur, si une couleur c'était suffisant, ben, vous vous rendez vite compte que oui. En fait, on a très vite un résultat où on comprend que le personnage est éclairé. Là, on n'a pas besoin d'une deuxième couleur pour comprendre la mise en lumière. Donc, ça marche déjà très bien. Après, si vous avez envie, enfin, on va le faire ensemble, on va rajouter une deuxième couleur. Donc, voilà. Là, il y avait une ombre aussi. Encore, Caroline, alors je vais me permettre un petit truc parce qu'on a tourné le cours il y a un petit peu moins de 2 semaines. Et c'est vrai que là, on est à la maison et on est avec des moyens via des iPads et des ordinateurs. Mais en studio, avec les grosses caméras, c'est super étonnant ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez faire vraiment. Parce que là, on voit, ça se dessine, mais on l'a vu, on va le voir dans l'extrait un petit peu après. C'est super étonnant avec 2 crayons. Moi, j'étais sur les fesses. Voilà, pour revenir à la thématique du soir de mon côté. Oui, de ton côté, c'est les fesses. Hein. Voilà, c'est ça. Désolé, je suis le seul garçon. Voilà. On non, est habitué. C'est bien, il faut de l'humour pour le dessin. donc, du coup, la suite. Donc, ici, pareil, on a aussi. C'est un petit peu plus ombré. Bon après, vous avez aussi un tout petit peu le droit de tricher si vous ne voyez pas trop d'ombre, mais que vous avez envie d'en mettre parce que ça apporte un peu de peps, ne vous en empêchez pas. Juste, il faut que ce soit logique. Voilà. Après, il y a aussi une technique. Par exemple, si vous voulez dessiner à partir de photos, mais que vous avez là, en l'occurrence, comme dans cette photo, une lumière au zénith, et que vous n'arrivez pas à imaginer où sont vraiment les ombres, vous pouvez retoucher votre photo avec un gros coup de contraste et et vous baissez la luminosité et vous allez vous rendre compte en fait de toutes les zones où c'est plutôt gris, plutôt noir. Enfin, vous allez vraiment comprendre les valeurs de gris. Donc ça peut être aussi, on a le droit de se servir d'autres outils. Voilà. Caroline, dis-moi ce que tu en penses, mais comme... Ah oui, je vois qu'Alban renforce les ombres, c'est vrai que oui, pour nous permettre de mieux les voir à l'écran. C'est vrai que c'est un outil utile. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais comme Alban vient d'en parler et qu'effectivement, c'est... Pour nous qui avons suivi ton cours pendant sa réalisation en direct, ça répond très bien à ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que ça te va si on lance l'extrait maintenant, que juste après, on regarde un peu où en sont nos amis derrière l'écran, où ils ont progressé, puis qu'on reprenne, tranquillement la suite. Bon, c'est parti, avec Alban. Plaisir. T'es prêt? Je vais commencer d'abord par faire les personnages. Pour vous montrer un peu ce que ça peut donner la bichromie sur des personnages. C'est toujours le même principe, comme je vous avais dit, la lumière vient de la gauche,
tac. Donc les personnages vont prendre la lumière du côté gauche et donc il faut toujours essayer de les imaginer en volume. De toujours suivre les courbes de leurs vêtements, de leurs cheveux, etc. Donc là, je vais commencer par faire les ombres. Donc comme on avait fait pour les arbres. Donc c'est-à-dire dessiner vraiment sur toute la gauche des toute la partie gauche des personnages. Sous la table, évidemment, ça va être très ombré, donc on peut y aller. Ici, la lumière, elle vient vraiment toujours de là. Donc là, je vais pas hésiter à mettre des ombres. Là aussi, sur son visage, puisqu'elle est dos à la lumière. Et puis, là aussi, dans les cheveux. Son oreille, on peut imaginer qu'elle est un petit peu plus en volume, donc elle va un peu prendre la lumière, donc il faut pas trop la colorier. Et puis là, ici, c'est plutôt dans l'ombre. Bon, vous avez vu, je suis pas vraiment allée trop dans les détails des personnages, je suis pas allée chercher leurs chaussures, leurs plis de vêtements, etc. C'est vraiment, comme je vous ai dit, pas un cours de morphologie, et regardez, ça donne un effet... on comprend très vite l'ambiance qu'il y a. On n'a pas besoin d'avoir des centaines et des centaines de détails. Je vais reprendre ma petite feuille de protection. C'est pas pour vous cacher le dessin, hein, mais c'est pour pas le salir. Hop. Donc là, pareil. Tout ce qui est sous la table, on imagine que c'est quand même bien dans l'ombre. Celui-ci, il prend plutôt pas mal la lumière parce qu'il est vraiment, son visage est vraiment orienté vers la lumière. Et là aussi, son buste, pareil pour son bras et ses mains. Ici, c'est bien dans l'ombre parce que c'est caché par son bras. C'est de l'interprétation tout ça, hein. Je suis pas exactement parfaitement précise, mais en fait, dans l'interprétation, quand on a compris le principe, ça rend vite compte. Alors, Armelle avait les cheveux un petit peu plus sombres, donc je vais un petit peu plus accentuer ses cheveux et je vais laisser un petit espace blanc. Comme ça, ils vont prendre la lumière aussi et ça va vraiment rajouter du volume. Et pareil pour le chapeau, là, voilà, comme ça. Le haut du chapeau et le bas, je vais un petit peu plus incliner mon trait. Voilà. Et là, son bras. La table, pareil, un petit dégradé vers le blanc, comme ceci. Et puis voilà, on a mes personnages en monochrome. C'est assez sympa, je trouve, de les voir comme ça, sans nécessairement mettre de la lumière. On peut aussi choisir de laisser... le dessin à la ligne derrière, juste au trait, je trouve que c'est assez sympa. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur pour que je vous montre un petit peu ce que ça rend. Donc tous les espaces qu'on a laissés blancs, on va venir mettre du jaune dedans, dans le sens inverse. Voilà, là ils sont dans une pleine discussion. Là, le chapeau et les cheveux. Là, tout le pull. Vous voyez, les traits de la marinière, je les ai faits vraiment rapides, mais on comprend qu'elle porte une marinière. Là, un petit peu dans le visage. Ici. Là aussi, ce visage. Et puis, le t-shirt. Là, le bras, il peut carrément prendre toute la lumière. Les mains. Vous voyez, ça va assez vite. Hein, en 2-3 coups de crayon, là, les cheveux. On a nos personnages. Je vais mettre un petit peu de jaune aussi en bas. Même si on avait dit que c'était une zone d'ombre, ça n'empêche pas qu'il y ait de l'ombre colorée. Et puis là, dans la table aussi. Enfin, sur la table. Et là, le bras. Voilà. Et voilà, j'étais en train de lire tous vos messages. Ça va, Caroline? T'es en vie?
Ouais, super. Je te propose qu'avant de reprendre ce qui nous fascinait, ce qui fascinait beaucoup derrière l'écran, avant de reprendre, on regarde justement un peu ce qui s'est passé avec, du côté des silhouettes. Alors, on a les dessins, je ne sais plus quel dessin est à qui, mais tu vas les voir apparaître. Donc, ils ont été envoyés dès le début, donc on n'en est pas du tout encore aux ombres, c'était plutôt les premiers dessins, donc Chouette. juste. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu vois des erreurs ou quoi que ce soit, je sais que tout le monde a l'habitude ici, les gens qui suivent, ils n'attendent. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je sais que vous n'attendez qu'une chose, c'est des conseils. Donc si vous voyez, si tu vois des erreurs, Caroline, faut te lâcher. D'accord, ok. Bah, alors là, par exemple, pour ce dessin, je trouve que c'est déjà pas mal. Franchement, le front, la tête, c'est très réussi. Là où je sens qu'il faudrait retravailler, c'est le sourcil, en fait, et l'œil. En fait, le sourcil est en arrière par rapport à l'œil. Tandis que c'est l'inverse, normalement le sourcil doit être en avant par rapport à l'œil. Si on regarde l'extrémité du cil, l'œil en fait, il est légèrement reculé par rapport à l'extrémité du sourcil. Voilà, je ne sais pas si c'est D'accord. très clair. Voilà, mais sinon c'est super. Mais je pense que c'est au niveau du regard, mais c'est jamais simple le regard, c'est toujours là où ça. Voilà. Alors pour celui-là, alors celui-là c'est pas mal, franchement. Mais en fait, c'est par rapport à ce que je disais, les questions d'espacement entre les éléments. Là, par exemple, on se rend compte qu'il y a le même espacement entre l'extrémité du cil et le bout du nez. Enfin, l'espacement est le même que entre l'oreille et le cil. Alors que dans la réalité, il y a une joue entière. Donc du coup, il faut vraiment anticiper, il faut vraiment bien regarder les espacements. Et donc du coup, là, le visage devrait être beaucoup plus grand dans la feuille. Ou alors, il faudrait vraiment réduire l'œil et le sourcil pour arriver à des proportions justes. Ici, D'accord. alors ici, c'est vraiment très bien. Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude de dessiner des visages. Mais non, là, c'est franchement, Alors, c'est. je crois qu'il y a de tout, justement, des gens qui se sont lancés pour la première fois ce soir dans les images que tu vois et d'autres qui sont plus avancés. Eh Mais ben, je ne sais c'était pas très bien qui ce a fait quoi. dernier dessin. C'était très bien. Est-ce qu'on les a tous vus, Alban? Ah oui, c'est ça, il me semblait qu'il y en a sur lesquels on était passé rapidement. Il est marrant. Il est très chouette. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du tout les proportions de la photo, mais en même temps, il y a un côté très libre et très, très chouette dans ce dessin. Mais après, bon, voilà, je pense que c'est aussi de l'entraînement mais c'est déjà pas mal. Mais là, par exemple, quand je parlais de la ligne droite, pardon, on peut revenir sur le dessin d'avant. Je parlais de la ligne du maillot de bain. Il faut vraiment qu'elle contourne le dos. Donc là, par exemple, elle est presque droite. Elle va carrément en diagonale alors qu'on ressent pas vraiment le volume du dos. Ça, par exemple, ça pourrait être bien de d'y penser. D'accord. Ici, c'est ma. On l'a déjà vu en plus. On vient de le voir, non? Sauf qu'il est en stade plus avancé, non? L'œil. Effectivement, je pense qu'on les a reçus. C'est super d'ailleurs de nous envoyer vos avancées au fur et à mesure. Donc là, c'est en stade plus avancé, effectivement. Eh ben, ouais. Ah, là, cool. Il y a déjà les. Bah là, c'est vraiment pas mal. En fait, là où
y a un tout petit problème, c'est l'épaule de gauche, l'épaule de... Enfin, toute la partie du corps gauche qui est trop haute. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus basse. La ligne de l'épaule, en fait, monte trop vers le chignon. Il faudrait qu'elle descende un peu plus. Mais sinon, le corps est bien, bien placé dans le matelas. On le sent vraiment dedans. Et ça, c'est vraiment chouette. Et même la tête, on la sent bien rentrée dans... Enfin, on ressent vraiment la position d'enfoncement. Donc, c'est chouette dans ce dessin. Oula, c'est beau ça. Eh ben, c'est très bien. C'est fou parce qu'on sent des pattes. Comment? C'est ce qu'il est fait en fait, sous un pseudonyme. C'est vrai? Vite fait, ouais, ouais. Alban s'attribue honteusement le travail des autres, à vous. Alors, cher élève qui a fait ce dessin, c'était pour rire, hein, bien sûr. Ce n'est pas le... En fait, dans ce dessin... Alors, ce dessin est super chouette, mais la personne qui l'a faite s'est un tout petit peu fait avoir par la ligne du bras. En fait, on a toujours tendance à... Notre cerveau à venir faire les choses telles qu'on les imagine, telles qu'on les conçoit. Et en fait, c'est très important de vraiment bien regarder. La ligne du bras, elle descend vraiment en diagonale, alors que sur la photo, elle est vraiment presque horizontale. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce sentiment que la tête n'est pas vraiment posée dans le bras. Il faudrait juste redresser le bras et donc ça redresserait tout le côté droit du dessin. Et le matelas serait donc plus haut. Et voilà. Mais sinon, le visage, tout ça, c'est très bien. Et moi je vois les noms qui apparaissent puisqu'on a vu les dessins de Katia, de Christelle, de Nicole. Et d'ailleurs, la personne dont tu as dit, je crois qu'elle avait l'habitude de dessiner, en fait non. Donc, ah ouais, c'est vrai. Il faut que vous persévériez parce que c'est vraiment impressionnant. Waouh, celui-là aussi il est bien. Ouais, il y a des beaux dessins. Et c'est vrai que c'est fou, on se rend compte que je vais dire une banalité, mais parfois ça fait du bien d'enfoncer les portes ouvertes, on se rend compte que l'interprétation d'un dessin change quelque chose à la photo, on n'est pas bêtement en train de copier, parfois c'est la même scène, ouais. Parfois plus on oublie complètement là la couleur de la piscine ou le matelas qui est pas forcément le plus esthétique pour garder que ce qui est beau tel qu'on le voit dans cette scène. Oh, waouh! Il est incroyable ce dessin! Oui, il est incroyable! Alors là, c'est vraiment dingue, il est franchement très beau. Mais oui, bon, après, le bras descend carrément à la verticale. là, c'est vraiment. Là, il a envie de plonger, mais c'est beau, hein. Enfin, j'aime bien. Oui, c'est vrai que toi, on voit que tu es sensible au dessin, quel qu'il soit, et tu vois des choses qui sans doute te touchent. Mais en tout cas, ouais, bravo pour vos dessins. Continuez à nous les envoyer, on les voit apparaître là. Donc, on voit qu'on arrive à la deuxième phase où tu avais commencé justement à placer les ombres. Ouais. Donc voilà, avec cette technique où vous pouvez, avec les outils que vous avez, essayer de baisser la luminosité, augmenter les contrastes, ça peut toujours aider à vraiment se rendre compte. Si vous le voulez bien, on peut passer à la lumière, à la deuxième couleur. Oui. Oui, super. Alors, je vais quand même faire mon maillot de bain, je ne l'ai pas colorié, donc je vais le faire quand même rapidement. Voilà, donc le maillot de bain est quand même assez sombre. Donc c'est juste, ça va apporter un contraste bien dans le dessin. Donc c'est important de le faire pour le coup comme dans la photo. Voilà. Tu travailles avec quel crayon de couleur ?
Alors, je travaille avec les Polychromos de Faber-Castell. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on pensait, mais on n'était pas sûr parce que oui, il y a eu un débat sur tes crayons. Ah, on voit pas bien. Ce sont bien les Polychromos. Voilà. Et avec l'achat de votre boîte de Faber-Castell, une paire d'essuie-glaces offerte, bien sûr, parce qu'après, c'est un petit joke entre nous, Caroline, t'inquiète pas. Toutes les masterclass, les essuie-glaces reviennent. Et ce qui je l'ai placé là, comme ça. Voilà. C'est drôle parce que j'avais justement besoin d'essuie-glaces. Super, alors on s'appelle après le direct. C'est le 06-09-4... Alors, le numéro d'Alban, je dois bien avoir ça. Non, je vais t'obliger de changer, après, déconne pas, je te coupe le son sinon. C'est vrai que ça commence par 0609. Eh oui, mais il y en a d'autres après. Oui, 84. Et la suite aux prochaines masterclass. Oui, il faudra compiler en fait, c'est ça. On va revenir un petit peu à nos dessins peut-être. Oui. Donc, je vais venir mettre la lumière, hein. C'est ce qu'on attendait tous. Donc voilà, comme je le disais dans la démo, on remplit tous les espaces qu'on a laissés blancs, mais c'est pas plus mal de laisser encore un tout petit peu de blanc, parce que ça vient donner encore plus de volume. Donc là, par exemple, on parlait de ce front très saillant, sur la photo, il est blanc, et ben, je propose qu'on ne lui mette pas de jaune dessus. Ça va encore plus ajouter du volume. Pareil pour les cheveux, il y a des zones qui brillent vraiment, qui sont presque blanches, dans le chignon aussi. Donc voilà, essayez de repérer comme ça les zones où vous trouvez ça très clair, et parfois laisser un peu de blanc, ça peut être chouette. Donc sinon le reste, remplissez. Même principe que le remplissage du bleu, on suit les courbes du corps. On a le droit d'aller se mélanger un petit peu avec la couleur qu'on a déposée avant. C'est pas gênant, au contraire, ça va même rajouter une troisième couleur par effet d'optique. Parce que si vous faites des hachures, c'est un effet. Bon, en tout cas, c'est ce que ça fait. Après, vous pouvez aussi très bien, à des moments, plus insister. Là, par exemple, j'ai plus insisté dans l'œil. Alors, je vais juste faire un truc, mais c'est que mon dessin. Je gomme un petit peu ici, parce que mon œil, il était trop... il partait trop... trop... Je redessine un petit peu mieux ma paupière. Oh, pardon. Mince. Oui, voilà, j'allais dire attention, Caroline, parce qu'on voit la marque de ton casque. C'était pour faire la promotion, bien sûr. Parce que c'est ça, en fait. Casque... C'est ça. Voilà. C'est bon, j'ai pas bougé la caméra. C'est super. Non, non, c'est super. Ok. Voilà. Bah là, je pense que vous... Enfin, dites-moi si vous ne comprenez pas. Non, on comprend bien. C'est juste que c'est assez fascinant. C'est toujours l'effet. Ça nous fait ça aussi quand Marie-Gabrielle dessine. C'est qu'on ne dit plus rien parce que c'est vraiment fascinant. Je sais que c'est vrai aussi derrière l'écran. Les gens nous disent qu'ils sont très concentrés. Mais ce que je te propose, je t'ai posé pour le coup les questions au fur et à mesure. Je sais que derrière, tu avais d'autres idées de personnages. On ne pourra peut-être pas tous les voir, ou alors on passera peut-être vite sur certains. Mais du coup, on peut regarder ce que tu veux sur la suite. Et j'en profite parce que certaines et certains me l'ont demandé, mais le code de réduction, c'est Voyage 10 et il est à la fois valable donc sur le cours de Caroline jusqu'à dimanche et sur le pack Voyage qu'on lance, qui comprend le cours de Caroline, un cours de Marie-Gabrielle aussi au crayon de couleur sur le dessin de paysage.
un cours sur le dessin de voyage en général et il y a autre chose, je vous retrouverai, je vous redirai ça à la fin, mais voilà, vous pouvez aller voir toutes les bandes-annonces, on vous les passera aussi à la fin, mais là, l'essentiel, c'est que vous puissiez regarder Caroline dessiner, c'est le plus important. Là, je suis venue mettre des couleurs aussi autour. C'est bien aussi de ne pas oublier le décor en général de ces modèles parce que ça vient aussi les poser dans l'espace. Ça donne plus de force au dessin parce que détailler jusqu'au bout un personnage en oubliant tout ce qu'il y a autour de lui, ça peut rendre finalement le dessin très plat. Donc, même si ce n'est pas grand-chose, ça vient juste apporter un peu plus de vie. Moi, j'avais choisi un orange, donc ça tombe bien parce que le matelas est orange. Mais si vous avez choisi une autre couleur, c'est pas grave, ça marche très bien aussi. Et puis là, dans le matelas, il y a pas mal d'ombre, donc je vais venir remettre un peu mon bleu. Voilà. Et puis si j'ai envie, je peux venir aussi un petit peu plus redessiner. Au crayon, j'ai vu que pour beaucoup vous l'aviez fait au crayon papier comme moi, donc je vais revenir un petit peu redessiner. Par-dessus pour que ce soit plus fort. En tout cas, mon amie va être très contente de voir il y a plein de dessins d'elle. Oui, elle a été starifiée ce soir. C'est clair. Comment s'appelle-t-elle? C'est Sophie. Eh ben, bonjour Sophie et merci d'avoir accepté qu'on puisse regarder d'une autre manière ce moment de détente qui nous fait tous envie d'ailleurs. En tout cas, moi, j'irais bien flotter Ouais. sur ce matelas. Moi aussi. Bientôt, bientôt. Voilà. Oui, bientôt, Et bientôt. puis, là, je vais en profiter pour faire un petit peu des petites vaguelettes. Là, je vois qu'il y a des petites vaguelettes. Voilà. Bon, là, c'est libre à vous hein, aussi de vous amuser. On n'est pas obligé d'être super réaliste et tout ça, c'est aussi ce qu'on ressent par rapport à ça. Après, j'appuie pas trop pour les vagues. Pardon, je vais dire quelque chose. D'accord. Non, en fait, j'ai perdu le fil de ma pensée, ça va me revenir. Donc, tu peux continuer. Mais Je j'étais. disais juste. Oui, vas-y. Non, je disais que oui, que par exemple les vaguelettes, l'eau, je ne l'ai pas fait forcément très sombre parce que par rapport à la peau, quand on regarde l'éclairage de la peau, l'eau n'est pas forcément aussi sombre que le maillot de bain, par exemple. Donc on ne va pas appuyer très fort parce que c'est l'eau, quoi. Vous comprenez? Je sais pas si il faut toujours essayer de comparer par rapport aux valeurs des autres éléments. D'accord, Si ma... c'est voilà. ça qui va. En fait, là, on veut apporter la légèreté de l'eau, on veut donner l'impression que le matelas flotte, donc il faut être léger dans son coup de crayon sur. Enfin, Voilà, ouais, c'est c'est pas ça et une. pardon. Non, mais j'en profite, Caroline, pour savoir justement ce que tu as envie, enfin, comment se concrétise ton métier d'illustratrice, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être flou pour les gens justement qui sont pas de la partie, entre guillemets. C'est quoi aujourd'hui être illustratrice? Ça veut dire que ton quotidien, il va s'organiser comment? Alors pour l'instant, je ne suis pas encore diplômée, donc j'ai pas, on ne peut pas dire que j'ai encore un quotidien
d'illustratrice freelance au même titre que quelqu'un qui travaillerait déjà depuis 1 ou 2 ans. Mais par rapport au dessin, je pense que le métier d'illustrateur, c'est de vraiment dessiner tout le temps, de préférence tous les jours pour... Parce qu'en fait, c'est comme un sport, enfin, je veux dire, c'est un échauffement constant à avoir pour essayer voilà, d'être toujours à l'aise, d'aller plus vite et de dessiner un peu tout ce qui est possible. C'est bien aussi de pas, je pense, de pas se limiter à forcément... une seule chose en particulier, de dessiner des objets ou des personnages ou des paysages, enfin, c'est... voilà. Est-ce que tu veux qu'on regarde un autre personnage? Comment tu vois les choses en termes de temps? Je ne me rends pas compte, mais je sais que il y a toujours du monde qui est en train de te regarder, que tout le monde n'est pas encore allé se coucher, et je sais que c'est sûr qu'on fera une autre pause de questions et dessins, puisque pendant ce temps, les dessins progressent de l'autre côté de l'écran. Bah. Écoutez, je propose qu'on fasse un autre petit dessin pour avant de se coucher. Eh bien, parfait. Voilà, j'aime bien celui-là. Alors, moi, j'avais plutôt envie... Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais bon. Moi, j'aimais bien ces petits touristes. Ouais, voilà, ces petits touristes. Oui, super, ces petits touristes, parce qu'en plus, ils sont dans la dynamique de ce qu'on apprend dans ton cours aussi, c'est-à-dire à repositionner, parce qu'on a beaucoup parlé des personnages, et dans le cours, vous apprenez aussi énormément à gérer les paysages, justement, et à repositionner des personnages, bah, comme le titre du cours l'indique, dans un espace. Et donc là, c'est un peu le cas, ils sont là, ils occupent un espace. Exactement. Et ils sont plusieurs. C'est ça. Et j'aime bien leur position. Ils ont tous des morphologies aussi assez différentes. Donc, c'est intéressant. Et puis, bon, la lumière est un petit peu la même que dans le dessin qu'on a fait avant. C'est un soleil aussi un peu au zénith. Mais quand même, on a plus de zones d'ombre. Vous voyez que le dos, par exemple, de la femme tout à gauche est quand même bien dans l'ombre. C'est pas non plus complètement similaire. Je vais juste aller chercher le dessin, enfin la photo comme j'ai fait tout à l'heure, pour la mettre à côté. Voilà, c'est bon, je l'ai avec moi. Voilà. Donc, c'est parti. J'allais me recoiffer, Alban, parce que mon bandeau me faisait mal et j'ai vu que tu étais en train de faire un gros plan sur moi. Parfois, il faut savoir pour les coulisses qu'on suit 15 onglets à la fois et on ne s'aperçoit pas que tu es en train de nous filmer. Donc, on fait des têtes en pensant qu'on est tranquille, mais pas du tout. Mais j'attendais simplement que tu nous rappelles le code promo pour le pack carnet de voyage. Voyage 10 avec 10% de réduction sur le pack carnet de voyage. Et les essuie-glaces. Voilà. Merci Alban pour les essuie-glaces. Mais de rien. Voilà. Et là, c'est la pauvre Caroline qui est là qui se dit « mon Dieu, mais que se passe-t-il » Alors, c'est parti. Non. Caroline. C'est la fin de la promo. Et on va dessiner donc cette photo. Des touristes. Et c'est parti. Alors, ce qui est aussi chouette dans cette photo par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est qu'ils ont des lunettes de soleil et parfois ça évite de se casser la tête avec les yeux. Les lunettes de soleil, ça peut toujours aider à... C'est une forme en soi, donc en fait, il suffit de suivre la forme. Bon, allez, c'est parti. Alors, moi, je vais commencer par la dame tout à gauche. J'espère que vous voyez toujours bien. Alors, quelqu'un avait posé la question, je vais faire un cadre.
Comme ça, je vais placer mes personnages dans ce cadre. Je vais essayer de m'adapter par rapport à ce cadre. Et donc, je vais commencer par la dame tout à gauche, en commençant par sa joue, qui... Alors, c'est parti. Donc, sa joue, elle est un peu bombée comme ça. Et puis ensuite, elle a sa lunette de soleil. Et donc, voilà. Là au moins, on a déjà notre première forme. Elle est vraiment, elle est un peu plus que de profil. Donc, son oreille, par rapport au dessin d'avant, est plus rapprochée de son œil. Donc, dessinons les petits cheveux. Ça va nous aider pour l'espace qu'il faut mettre. Et l'oreille est vraiment plus basse. Ne la faites pas, par exemple, ne la faites pas là. Faites-la vraiment basse, le plus bas possible. Parce que ce qu'on va faire pour nous aider, on va dessiner la casquette là. Et la casquette, elle descend comme ça. Donc l'oreille, elle est vraiment là, quoi. Là, on voit, il y a la branche de la lunette. Puis, donc, ici, on a un pli. Là, un sous-menton. Et puis, ici, on a une espèce de... un trait comme ça de son épaule. Et on va s'arrêter là parce que c'est parfait. On va avoir un bon point de repère. C'est la bretelle de sa petite robe. Oula, je l'ai fait un peu épaisse. J'ai ripé. Voilà. Et puis, là, le pli. Donc, en fait, son buste, pour vous donner un peu une... Mais voilà, j'ai encore fait trop gros dans ma feuille. Non, mais vous voyez, en fait, franchement, ça, c'est pas un truc... Je peux pas vous apprendre, j'arrive même pas à le faire moi-même. non mais bref, mais alors pour vous donner un petit conseil, en fait, si vous regardez bien, ses épaules, ça fait vraiment quelque chose comme ça. L'épaule de gauche est plus basse et à un niveau beaucoup plus bas que l'épaule de droite. Donc ne faites pas l'épaule gauche à un niveau plus haut. Vraiment, n'hésitez pas à y aller franchement vers le bas, quoi. D'accord. Mais en fait, excusez-moi, moi je vais gommer mon trait. Il me bloque. Je ne suis pas contente. Bon, normalement, je ne fais pas ça. Hein. C'est pas parce que après, ça fait des traces et tout. J'aime pas. Mais bon. Voilà. Alors. C'est les joies de la démonstration en direct. C'est ça. Pour nous aider, alors donc les cheveux, on a une petite masse de cheveux comme ceci, et donc là le pli, et là voilà, comme je disais, allez-y vers le bas. Voilà, et il faut toujours essayer, voilà, de comparer par rapport aux proportions. Là, par exemple, mon visage, je regarde mon visage, je regarde mon épaule, elle est trop petite. Donc, voilà. Là, j'ai sa colonne. Ici, sa robe. Voilà, je ne sais pas si vous vous en sortez.
Je vais reprendre à la casquette parce que la casquette va déterminer du coup toute la tête. Donc la casquette est légèrement courbée comme ça. Ensuite, elle fait une ligne droite. Et alors ensuite, on va se placer par rapport à... En fait, pour nous aider, je vais vous dire comment on va faire. Il faut faire des chemins visuels. Je vais partir de l'oreille. Je vais monter en diagonale jusqu'à un moment où je vais me dire, là, il y a le petit bouton de sa casquette. D'accord. Et en fait, on voit que la casquette passe légèrement au-dessus du bouton. Donc là, je sais que c'est à peu près le haut de ma tête. Et donc là, je relie les deux. Ici, c'est pareil, j'ai mon oreille, je vais jusqu'au petit scratch, je dessine une voûte et je termine ma casquette. Et je mets plein de cheveux. Voilà. Vous êtes bon là? Ça n'a été pas On facile est hein, quand bon. même, hein. On est bon. Voilà. Tu as vaincu. J'ai eu chaud. Ok, après. Alors, après, je vais faire. J'hésite à faire son bras tout de suite. Je vais faire son bras. Autant. Voilà. Alors, pour faire son bras, je vais repartir de ma bretelle là. Je ne vais pas partir d'en haut parce qu'en fait, c'est une courbe qui peut être un peu compliquée. On risque de pas forcément la faire comme il faut. Par contre, la courbe de la bretelle, elle est assez simple. C'est un espèce de U comme ça. Et au moins, quand je m'arrête là, je sais que là, c'est la base de mon bras. Donc, du coup, je peux dessiner là. Et là, je peux dessiner le coude et là du coup faire le lien avec mon bras, enfin le haut du bras. Je sais pas si vous avez compris le truc. Bon voilà, classique, j'ai plus de place pour ma main et vous allez être très Mais déçus. Oui. ça t'évite la main. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, je sais pas d'ailleurs, parce que dans la photo, tu as l'ensemble des personnages dans telle position, que tu vas garder exactement le même cadre Exactement. et tu paniques pas si bah, tu n'as plus de place, justement. Oui, exactement. Après, ça peut être décevant quand on tient absolument à avoir quelque chose et qu'on n'a pas du tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est pour ça aussi que dans le cours, je parle du papier A3. D'avoir un Oui. format A3, ça, c'est bien parce que comme ça, si on dessine trop petit dans le papier, ou trop gros, enfin voilà, on peut recadrer facilement. Donc c'est mieux que de dessiner sur un A4. A4, on est sûr de toujours être bloqué, quoi. D'accord. Voilà. Ou même si vous pouvez encore plus gros, franchement, c'est pas grave. Vous pourrez toujours redécouper, cacher les trucs que vous avez ratés. Enfin, c'est. Voilà. On fait la deuxième, madame? Allez, la deuxième, madame. Alors, la deuxième. Alors, donc, pour faire la deuxième, moi, je vous ai dit, je commence toujours par les yeux, je préfère. Je sais qu'on pourrait commencer par son épaule et son maillot de bain parce qu'ils sont liés à la première dame. Mais en même temps, j'ai peur que au niveau de la tête, on n'ait pas les bonnes proportions. Donc, je préfère commencer tout de suite par les lunettes de soleil et je vais faire par rapport à la dame de gauche. Je vais estimer à peu près la distance. Donc, on peut même déjà commencer à faire la ligne d'horizon. Tiens, on a la ligne là.
Ici, on a à peu près sa couette. Donc, du coup, on va avoir son oreille. On va faire commencer ici à peu près. Ses lunettes de soleil sont un petit peu plus bas que si on trace une ligne horizontale. Si vous imaginez une ligne virtuelle, ces lunettes de soleil démarrent plus bas, enfin, elles démarrent en bas des lunettes de soleil de la dame de gauche. Donc, je vais faire comme ça, voilà. Donc, je vais commencer par les lunettes. Donc, c'est une masse noire. Pour dessiner des lunettes de soleil comme ça, de profil, la forme, c'est un peu comme ça. Vous avez. Où est-ce que je peux me mettre? En gros, je gommerai après. Comme ça. Parce que ça, en fait, toute cette partie-là, elle vient se poser sur le nez. Donc, elle est presque droite. Là, c'est la perspective. Et ici, c'est arrondi. Ça ressemble à comment ça s'appelle? Ceux qui font de la guitare là. Oui, c'est un médiateur, un truc comme Et ça, là. Mediator. Voilà, un peu. Bon, voilà. Donc, parenthèse. Je fais ma lunette. Ensuite, le nez. Alors, je dis le nez comme si c'était genre trop facile. Le nez, si je zoome, en fait. Le nez, c'est un peu un triangle comme ça. Et puis, on fait un trait pour la narine. On se cale aussi par rapport à la joue, en fait. On voit que les lunettes, elles se posent sur la joue. Donc, là, je peux faire la ligne de la joue. Ensuite, elle parle. Moi, je vais lui fermer la bouche parce que. Parce que je sais pas, ça m'ennuie de. Bon, je vais lui faire une petite ligne comme ça. C'est justement les Là, libertés que tu peux prendre avec la photo. exactement, j'ai pas envie. En plus, dessiner des dents, des gens qui parlent, c'est vraiment, vraiment un casse-tête. Là, je fais son front. Et puis, les cheveux. Donc, là, les cheveux, on essaye de. Peut-être que ce qui peut aider, c'est de tracer la ligne des lunettes. Comme ça, on a les oreilles bien sous les lunettes. Et du coup, les cheveux qui rejoignent les oreilles. Et donc, du coup, après, dans la logique, le cou comme ça. Le petit chignon, enfin, sa petite couette là. Et là, son crâne qui rejoint le tout. Et là, en fait, je suis pas trop mal tombée. Je sais pas vous, mais de mon côté, par rapport à la dame de gauche, je suis pas trop mal tombée. Voilà. Ensuite, on va lui faire son menton, son cou. Ici, ça peut toujours aider. On a l'oreille et la mâchoire. Là, par exemple, dans mon dessin, il y a une erreur. L'oreille, elle est un peu trop avancée. J'aurais dû la mettre plus loin. Je ne vais pas changer parce que c'est pas très grave, mais en général, la mâchoire, quand même, dans un visage, elle est assez, enfin, elle est assez longue quand même. Il ne faut pas qu'elle soit trop rapprochée de l'oreille. Voilà, donc ensuite, là, je vais me baser par rapport à sa clavicule, et là, sa clavicule qui passe, ensuite son maillot de bain. Voilà. Sa poitrine. Comme ça. On peut faire les rayures, c'est chouette. Parce que du coup, ça vient vraiment rajouter du motif dans le dessin.
Et puis là, son épaule. Alors, son épaule, regardez bien, ici, ça démarre un petit peu plus haut que c'est que l'épaule ici. Voilà, donc démarrez pas votre épaule ici, par exemple. Ou alors, ça fait une toute autre position. Démarrez vraiment au-dessus. D'accord. Franchement, vous l'avez échappé belle, on ne va pas faire les mains. Mais en même temps, je me sens coupable. Je me sens coupable de ne pas faire les mains. Les mains, je crois que c'est un sujet en soi, non? C'est un sujet en soi, c'est le sujet de toute une vie, les mains. Voilà, bon, déjà, on a nos deux madames là. En vrai, on pourrait s'arrêter là. Je ne sais pas si. Enfin, on peut regarder déjà par Oui, rapport à l'évolution. On n'est peut-être pas obligé l'évolution des de faire. dessins. Ouais. Oui. Alors, l'évolution des dessins. Alban, est-ce que tu es connecté au Google Live alimenté par Armel, au Google Slide? Tout à fait, je suis en train de me connecter. Est-ce qu'on révèle le surnom d'Armel ce soir? Est-ce qu'on se connaît Non. assez avec Non, les. non, non, Ça je ne sera pour crois la pas. prochaine Prochaine fois. masterclass. C'est pour la prochaine Allez, fois. pour la prochaine masterclass, on vous révèle le surnom qu'Alban a donné à Armel. C'est pas moi. Du coup, C'est pas moi. c'est pas toi? Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Ah ouais? Je tirerai cette affaire au clair. Et je communiquerai sur le sujet. On en était où dans nos dessins? On Alors, s'était j'ai pas vu le dessin, arrêté. chère Anne-Sara, sur le slide. Bah si, moi je le vois, je les vois. Oui, mais je pense que Choupinette n'est pas en train de Ah. balancer les dessins comme il le faudrait. Oups, Choupinette vient Ah mince, d'avoir je son viens de surnom. Ah l'oublier. Aïe, zut! aïe, 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 aïe. Eh bien, on fait un appel à Choupinette, mais moi, je les vois bien hein, sur le Google Slide. Alors oui, c'est les dessins de tout à l'heure, hein, c'est ça? Ah non, 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 qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Enfin, c'est toujours la même dame, c'est peut-être ça qui te. Mais on ne les avait pas vus en couleur, en tout cas, on n'avait pas Oui, vu toutes les couleurs. d'accord. Bah Voilà, oui, on a c'est beaucoup super. de. Oui, tout à fait. Alors c'est bon, ça va partir dans quelques secondes. Donc Choupinette suivait bien, mais en revanche Choupinet C'est suivait pas trop. parti. Non, voilà. Donc celui-là, on avait vu un petit peu. On va avancer un peu. Voilà. Ah, chouette. Merci des conseils. Alors là, Bah c'est au là déjà, crayon. ouais. Ça ressemble à du Du pastel. pastel. Donc ça marche aussi avec le pastel. Ah oui, ça marche très bien. Je vois qu'elle a rajouté une troisième couleur pour le maillot de bain. Ça marche aussi, c'est chouette. Après, mais c'est ça qui est pas facile, c'est en fait le dos qui est un peu plat, on ressent pas encore vraiment bien le volume du dos. Le nœud est un peu trop frontal. Mais sinon, c'est bien. Sinon, ouais, c'est chouette. Eh ben super Gwen. Ça, c'est très bien. C'est super bien. On peut revenir sur le dessin d'avant? Pardon. En fait, là, je pense que c'est juste le dos qui est un peu court. La fesse démarre un petit peu trop tôt. Normalement, elle devrait démarrer un petit peu plus loin. Du coup, ça crée, on dirait qu'elle a un corps un peu tassé. Mais sinon, c'est vraiment très bien. Bravo.
On l'avait déjà vu. Très beau. Ouais. Ça marche bien, hein, franchement, la bichromie. Ouais. Enfin, je sais pas ce que. Ah, c'est très, très Si, beau. si, si. Très chouette. Armel, sache que des dessins continuent à arriver, ça. Je te Alors là, préviens en parce que fait, j'ai. c'est vraiment une erreur, mais qui arrive vraiment facilement. Mais en fait, le maillot de bain est vraiment très court. En fait, normalement, la fesse, elle démarre hors cadre. Hors cadre de cette photo, en tout cas. Mais je pense que Claire s'en rendrait compte. S'en rendra compte en re-regardant, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que on voit un traitement, par exemple, différent du tien sur le précédent dessin, sur l'eau, et on a presque l'impression que c'est plus la piscine, c'est la mer, que c'est quelque chose d'un peu Ouais. plus agité. Ouais, c'est chouette. Il est bien ce traitement aussi. Oh, là, c'est pas mal. Bon, c'est juste au niveau du visage. Il faudrait que je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est en fait, on dirait que en fait, la personne qui a fait le dessin n'a pas laissé assez d'espace entre les yeux et le nez. C'est comme s'il avait été, il y avait eu une ablation du nez. Donc, du coup, en fait, il suffirait juste de rajouter plus d'espace entre toute cette espèce d'arche. Faudrait juste la décaler. Faudrait rajouter un nez, en fait. Mais sinon, c'est bien. Sinon, c'est chouette. Vous m'impressionnez en tout cas. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des dessins? Je regarde, je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ah, Ah, il est trop chouette. ouais, il est génial. J'adore. Il est génial. Il est très mignon. Franchement, c'est bien. Ah, cool. Ah, ils sont vraiment marrants. Franchement, bah Ouais, ouais, ils sont très chouettes, ces petits personnages. Dessiner des touristes, c'est trop drôle, les touristes, franchement. C'est mais trop oui, c'est vrai bien. que c'est génial, les touristes. C'est vraiment Bon, on en aura un peu moins cette année, donc vous aurez moins de touristes à dessiner, mais en regardant des photos de vacances, vous en retrouverez. Ah, j'adore les Et lunettes de on a soleil. bien les médiators de lunettes de soleil, oui. Ouais, là, les médiateurs sont là. Et je regarde. Et voilà, on Bah, a pour le chouette. moment arrivé au terme de votre progression. Est-ce que tu voulais compléter un peu le dessin actuel ou? Ben, ça dépend. Ben, c'est vrai qu'on pourrait rajouter les ombres, le même principe qu'on a fait pour le dessin d'avant. Après, je sais. En fait, c'est aussi selon vos envies. Je veux pas. Parce Bah, que ça dépend. ce que je vous propose, c'est qu'on regarde pour le plaisir Caroline dessiner encore 5 minutes avec le placement des ombres. Et ensuite, on jettera un coup d'œil aux bandes annonces. Pas toutes les bandes annonces, on va pas toutes vous les remettre, mais essentiellement celles du cours de Caroline et d'autres cours qui sont dans le pack dessiné en voyage, parce que vous allez quand même pouvoir vous aérer cet été et qu'on a envie que vous partiez avec vos crayons de couleur et vos aquarelles. Mais oui, on te regarde encore pendant 5 minutes parce que c'est fascinant. Ça vous laisse le temps de nous envoyer vos derniers dessins, de nous poser vos dernières questions. On va essayer de rester ensemble jusqu'à 23 h et puis après, Alban ira te faire dodo. Je vais pour changer un peu pour que ce soit un petit peu plus ça change. Je vais vous prendre un rose. Je vais faire un rose, prendre un rose pour faire les ombres.
parce que comme c'est des personnages assez exposés à la lumière, ils prennent des coups de soleil, le rose, ça peut être chouette pour faire ressortir tout ça. Donc, vous allez voir que ça marche très bien, la monochromie avec des couleurs chaudes. Donc, c'est parti. Donc là, je remplis vraiment là où c'est très où c'est ombré, où on n'a pas de blanc, où la lumière est moins présente et moins forte. Et donc c'est marrant d'avoir pris du rose parce que tout de suite cette dame a pris un coup de soleil et je trouve ça chouette. Un petit coup de soleil. Mais les touristes ont Ouais. souvent un petit coup de soleil. Ouais, c'est ça. Donc voilà, faut y aller progressivement, mais en douceur. Je vais faire les ombres de sa casquette. Donc tout ce qui est blanc, vraiment blanc, je ne le remplis pas. Donc ça, tout de suite, ça va faire un effet bien lumineux. Je vais un peu plus forcer dans les cheveux. Ils sont quand même plus sombres. Et les lunettes de soleil. J'appuie fort parce que elles sont sombres dans l'image. Donc j'appuie fort. On a toujours du son? En fait, j'ai coupé mon micro parce que mon mari rangeait les courses. J'avais peur qu'on l'entende. Allez, je vous révèle tout. Ah, d'accord. Et du coup, là, il doit blêmir derrière. Mais non, 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 je te regardais avec attention et je ne suis pas la seule. Alors là, vous voyez beaucoup Caroline dessiner justement se concentrer sur les personnages. Dans le cours, ce qu'on voit, c'est que t'hésites pas à réintégrer des personnages dans un décor complètement autre, que ce soit carrément un décor de tableau, comme tu le fais dans le cours, alors que les Ouais. personnages que tu as croqués étaient dans la cour de notre studio rue Maillet. Voilà, tu vraiment tu t'embarrasses pas de la réalité, entre guillemets. Ben, la réalité aide énormément. Enfin, je m'en sers tout le temps. Mais après, c'est vrai que mes personnages, je suis pas obligée là de les représenter. Au bord de l'eau, j'aurais très bien pu faire, je sais pas, une canopée derrière. Je peux toujours garder cette rambarde qui est assez chouette. Bon là, évidemment, mon dessin déborde. Donc je ne peux pas trop dessiner la rambarde, mais c'est vrai que derrière, je peux très bien m'amuser à intégrer quelque chose qui n'est pas dans la photo. Par exemple, si vous voulez, là, je peux... Je vais intégrer. Vous voulez que j'intègre un truc? Je vais intégrer quelque chose. S'il était plus tôt, j'aurais dit défions Caroline, forçons-la à intégrer des choses absurdes, mais j'ose pas. Non, je sais pas qu'est-ce que je pourrais intégrer. Je vais intégrer un bâtiment. D'accord. Ou alors non, je vais voilà, ici un bâtiment. Une maison, quoi.
Je vais faire des arbres, de la végétation. Et tout d'un coup, on se rend compte que ça éloigne d'une certaine manière l'eau qu'on avait tout à l'heure. Voilà, exactement. L'eau passe derrière. Et puis, on les imagine plus à une fenêtre. Ou... Enfin, c'est ça. Elles ne sont plus au même endroit pour moi, là. Je pourrais aussi très bien m'amuser à rajouter le bord de la fenêtre ici. Voilà. Ah oui, une là on a fenêtre l'impression ouverte. Que elles sont sorties de leur chambre sur le d'hôtel, balcon. Sur les lacs italiens, Voilà. sur le balcon. Et Franchement, elles voilà, ont la belle c'est vue, ça. La belle vie et la belle vue. C'est l'été. Là, je fais. Les îles Voilà. Borromée ne sont pas très loin. Ah, mais oui, mais c'est mes inspi du moment. Franchement, t'as tout compris. Qu'est-ce que je. Voilà, hop, je vais faire de la végétation. Hop, tac, tac. Voilà, un petit cyprès. Voilà. On est pas mal là. Enfin, elles sont pas mal parce que nous. Et puis là, voilà. Ça paraît tellement facile. Oui. Alban, on va s'entraîner. On va s'entraîner. On va y arriver. Mais oui, moi, je vous refais des cours. Mais oui. Voilà. Dites-nous, vous partez. Dessinez avec Caroline et revenez avec vos dessins de voyage après les vacances. On repasse oui. Une soirée ensemble comme ça et tout. Et je suis sûre que ça fera très plaisir à Caroline et de voir vos dessins sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la taguer sur son Instagram. Ton Instagram, c'est caro.perron. C'est ça, exactement. Comme ça, elle verra vos dessins. Ça fait toujours plaisir, je trouve, de voir comment vous emparez du savoir-faire qu'elle a bien voulu vous transmettre. Merci, Caroline. Bah, avec très, très pour grand plaisir. Pour cette soirée. Et... Voilà. Et c'est vrai que... Franchement, c'était fascinant. Merci. Non, franchement, ça me fait très plaisir de faire ce cours et n'hésitez pas en effet à dessiner cet été n'importe quoi, tout ce que vous avez envie et à nous montrer les dessins après. Je serai très très heureuse de les voir et de vous donner plein de conseils si vous avez envie. Et comme je déteste faire ça et que Alban le fait très bien, Alban, tu peux nous dire tout ce qui est code promo, tout ça, parce que moi, j'aime pas. Alors, le code promo de ce soir, c'est... Avec une petite voix, et oui, ah, voilà. Ouais, okay. Ce soir, le code promo, c'est Voyage 10, 10% de réduction sur le pack carnet de voyage. Alors, n'hésitez et pas. Et sur le cours de Caroline. Et sur le cours de Caroline. Voilà. Oui, on vient de lancer ce pack carnet de voyage, alors qui comprend un cours d'aquarelle animé par Marie-Gabrielle, le cours de Caroline dont on vous a longuement parlé ce soir, un cours de dessin de paysage au crayon de couleur et un cours de croquis de voyage par Delphine. Donc tout ça est rassemblé dans un pack pour vous accompagner en vacances. Et je vous propose qu'on revoie la bande-annonce du cours de Caroline et puis quelques extraits des bandes-annonces des autres cours. Qu'on se dise à très bientôt, je crois, Alban, qu'on a rendez-vous à une date très spéciale et inhabituelle. C'est dimanche, oui, non? Oui. On a rendez-vous dimanche. Et dimanche pour faire et tu ne seras pas seul. Avec les enfants. Dimanche matin, 10h30, je crois. On vous offre un dimanche matin à tous les parents de France. Oui. Vous n'aurez pas cette fois-ci mauvaise conscience de coller vos enfants devant un écran. Et je crois que tu seras bien accompagné, Alban. Et oui, puisque ils sont là, ils sont prêts, ils attendent avec impatience. Il y aura deux enfants de 6 ans qui seront avec nous et qui vont découvrir en fait la surprise de dimanche. On ne vous en dit pas plus, on fait un peu de teasing quand même. Voilà. Mais rendez-vous à 10h. C'est pas gagné. Oui. Voilà. Courage. Je mise tout sur Antoine et Camille. Ils sont à fond. Et
ils veulent un call pour se préparer avant avec leur professeur Marie-Gabrielle. Voilà. Je leur explique que nous allons faire un call, comme papa fait des calls avec Anne-Sara, par exemple. Mais voilà, ils ont tout compris et j'ai hâte de les voir. Moi, je serai pas là, je laisse Marie-Gabrielle animer seule ce live parce que je prends une petite semaine de vacances en Sardaigne. Donc, je vous embrasse, Caroline, je t'embrasse encore un grand, grand merci. Et Alban, bah, à très vite, de toute façon, on s'appelle 10 fois par jour, on se voit beaucoup. Et je... Bien sûr. À demain, donc. et je te laisse tout faire ton micmac avec les bonnes les bandes annonces. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, Caroline. Au revoir, bonne soirée. Merci. Bonjour, je suis Caroline Perron, votre professeure de dessin sur artesane.com. Je vous retrouve pour un nouveau cours intitulé « Je dessine des personnages dans un espace au crayon de couleur ». On verra d'abord ensemble comment créer un espace. Je vous montrerai comment manier les couleurs, la lumière et créer une atmosphère. Dans un second temps, je vous apprendrai à dessiner des personnages et des postures. On partira de quelques modèles vivants et je les dessinerai avec vous. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour créer une image complète au crayon de couleur. Je suis Caroline Perron et je vous donne rendez-vous sur artesane.com pour apprendre à manier les crayons de couleur. Bonjour, je suis Caroline Perron, votre professeure de dessin sur artesane.com. Je vous retrouve pour un nouveau cours intitulé « Je dessine des personnages dans un espace au crayon de couleur ». On verra d'abord ensemble comment créer un espace. Je vous montrerai comment manier les couleurs, la lumière et créer une atmosphère. Dans un second temps, je vous apprendrai à dessiner des personnages et des postures. On partira de quelques modèles vivants et je les dessinerai avec vous. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour créer une image complète au crayon de couleur. Je suis Caroline Perron et je vous donne rendez-vous sur artesane.com pour apprendre à manier les crayons de couleur. Vous emportez vos carnets de dessin partout et vous avez envie d'apprendre à saisir sur le vif un paysage urbain, une scène de rue et un joli souvenir de voyage ? Delphine Priolo-Stoclet, professeure de dessin et spécialiste du carnet de dessin, vous emmène dans les rues de Paris pour apprendre à poser votre regard et à croquer sur le vif. Vous découvrirez comment vous situer par rapport à votre dessin, comment retranscrire la lumière et l'ombre et comment, si vous le souhaitez, ajouter de la couleur à l'aquarelle. Delphine terminera en vous apprenant à croquer les silhouettes et personnages sans complexe. Je pourrais tout à fait diluer avec mon pinceau à réservoir certaines parties pour avoir des valeurs de gris intermédiaires. Comme tous nos cours, ce module vidéo est accessible à vie et vous donne accès à notre fil de discussion professeur-élève ainsi qu'à tous les documents nécessaires. N'attendez plus et évadez-vous avec Delphine pour colorer les pages de vos carnets de voyage sur artesane.com. Vous avez contemplé les plus beaux paysages et vous avez désormais envie de les dessiner? Retrouvez Marie-Gabrielle Berland pour apprendre à retranscrire au crayon de couleur et au feutre les émotions que vous avez ressenties en les admirant. Dans ce nouveau cours, j'apprends à dessiner les paysages en couleurs. Vous analyserez avec Marie-Gabrielle la construction d'un paysage à représenter les reliefs, les végétaux, les ciels, l'eau et les éléments architecturaux. Une fois que j'ai fait cette direction-là, et ben, je suis tranquille, je sais que c'est à peu près juste. Et ça m'a bien aidé d'avoir construit au préalable l'ensemble de mon dessin. Comme tous nos cours, ce module vidéo est accessible à vie afin que vous puissiez voir et revoir les gestes de votre professeur. N'attendez plus, venez faire revivre vos vacances et réaliser de merveilleux dessins de paysages grâce à Marie-Gabrielle Berland sur artesane.com. Bonjour, je suis Marie-Gabrielle Berland, je suis directrice artistique d'Artesane et je suis diplômée des arts décoratifs de Paris. Dans ce cours, on va apprendre les bases de l'aquarelle en faisant 20 exercices différents. Et c'est un cours qui s'adresse aux débutants et aux débutantes. On va y aller progressivement et on va commencer par des exercices tout simples, travailler le geste, travailler la couleur, les volumes, on va travailler les ombres, les lumières et enfin, on va voir comment améliorer son aquarelle pour avoir le résultat le plus joli possible.
Je vous retrouve sur le fil de discussion de ce cours et je répondrai à toutes vos interrogations avec plaisir. Je suis Marie-Gabrielle Berland et je vous retrouve dans ce cours intitulé « 20 techniques pour débuter l'aquarelle » sur artesane.com.